Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 29 octobre 2019. Mon nom est Martin Lemay, en compagnie de Guy Boucher, vous l'avez reconnu. Luc Danseau. Salut les gars, salut. Salut. Tim est au bouton, à la mise en onde. Tim, dans le fond, c'est comme le boss, c'est comme lui qui décide si on est là ou pas. Oui. Et également. J'ai le droit de faire ça. J'ai le droit. Tim, on a-tu un Tim aussi aux médias sociaux? On a Tim aux médias sociaux. Tim et Tim, ouais. Aujourd'hui. Ouais. OK, grosse émission aujourd'hui. Premièrement, on va parler, bien sûr, avec Guy Boucher. On a Jonathan Marchesso également des Knights de Vegas qui va être avec nous un peu plus tard. Et juste avant, on va avoir Gaston Therrien pour un petit wrap-up sur le Canadien de Montréal. Il y a les des questions que les gens avaient sur le Canadien de Montréal. D'ailleurs, je me suis régalé avant le show à regarder les pubs de Marc Bergevin avec McDonald's. Excellent jeu de mots, Martin. Régalé. Régalé. Merci, Luc. Je n'y avais pas pensé. si vous ne les avez pas vus, vous irez, je présume qu'on doit avoir ça sur notre site, sur Facebook, quelque part. Là. Ouais. Moi, j'ai fait McDo sur Facebook. Fait que, t'as fait ça? fait que vous allez les trouver là. D'ailleurs, on a regardé ça tantôt, Guy. Oui, c'est très bon. Sérieux, c'est très bon. Zéro à ça. Parce que si on essaie de limiter, ça sera juste une pâle limitation de oui. Ce que c'est. Non, t'es mieux d'envoyer les gens et de. Ils jugeront par eux-mêmes. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. OK, Gaston Therrien, salut. Salut Martin, salut Luc, salut Guy. Salut. J'espère, juste pour la pub McDonald's, il paraîtrait, puis je ne l'ai pas vu, là, puis je vous dis ça, c'est gratuit. Il paraît que Marc Bergevin mange un Big Mac. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, Marc, tu m'échangeras-tu ton Big Mac pour un autre hamburger? Puis il dit, ça se fait pas des échanges. Hey, ça se peut que ça soit dans le jeu, Gaston. Non, mais moi, j'ai sûr que j'ai regardé, t'es pas là. Mais est-ce qu'il y aura une suite ou c'est l'imagination de Gaston? Je me trouve drôle, je suis fatigué. Ouais, c'est excellent. Tu m'échanges-tu ton hamburger contre ma frère? Je te donne pas mon joueur de sang. Non. Hey, puis il paraîtrait que lui, ils ont demandé de faire une pub de trio. Il dit non, moi, des trios, je m'occupe pas de ça. C'est bon, Gaston, t'es en feu, mon Dieu. Non, j'en profite. Guy est là pour rire un peu. Je sais qu'il aime ça. Oui. Non, mais Guy a ri, honnêtement, c'est très bon. Là, je passe pour le gars qui rit, mais je veux dire, quand je coachais, le monde voyait juste la face de bœuf. Il y a même du monde qui demandait à ma femme plutôt que tu te fais battre à la maison. Je savais que t'étais capable de rire, puis là, t'es avec nous à RDS. On a bien du plaisir quand on fait 360. Ça, c'est fantastique. C'est vrai, toi, avec hein, cette réputation-là, tu ris pas beaucoup. Oui, mais c'est parce que moi, je suis tout ou rien. Quand je suis au travail, c'est non, ben, puis à non, maison, ben, ben, à la maison, ben, c'est Martin, là, tu parles d'une question que tu poses à Guy. Tu vois que l'arbitre, il donne un 2 minutes de banc, là. Puis là, lui, il va regarder la caméra, puis il va se mettre à rire. En blanc. Ben oui, c'est un bon ben gars, oui. J'aime ça, moi. Regardez à Claude Julien, s'il aime ça. Ah ouais, ben tous les coachs ont passé pour des faces de bœuf. Pat Burns, Therrien. Jacques Lemaire, un de mes amis, écoute, c'est tellement drôle. Là. Tellement drôle. Puis regarde, quand tu le voyais avec les médias, c'était très froid. Puis tout le même ton de voix. Puis mais dans la vie personnelle, écoute. Bob Gainey, ça doit-tu être un comique, ça? Ah, mais moi, j'ai adoré Bob. J'ai adoré Bob. C'est un exemple parfait, ça. Parce que devant les médias et tout ça, ça avait l'air très monotone. Puis moi, j'avais tellement de fun avec lui. Là. Du fun? Mais lui, ouais. Lui, il a fait pleurer un sac d'oignon. Il paraît tellement qu'il était drôle. Bob Gainey, anecdote que j'ai déjà contée, là. Je suis où ce que Luc est. Et Bob Gainey est à ma place. Et c'est le match où Ryan O'Byrne marque dans son filet. Je te jure, pendant que la rondelle se dirige vers le filet, je fais comme ça. Puis je regarde Bob Gainey, je regarde la rondelle rentrée, elle rentre dans le but, elle rien. Il est resté comme ça. De glace. Il n'a pas bougé de la glace. Même pas le point sur la table. Je vais le congédier. À rien. À rien. Il n'y a rien qui est apparu. À rien qui est apparu. Je vais le congédier. Ouais. Mais tu sais que Bob, c'était. C'était ce que tu voyais, c'est Bob. Bob, il ne voulait pas montrer au monde qu'est-ce qu'il allait faire. Il faisait quand c'était le temps. À porte fermée, de la bonne façon. Un bon joueur de poker. Mais qui avait les couilles de le faire. Là. C'est ça, c'est de l'ancienne garde, ça. Là. C'est pas un show qu'il veut faire. Il le fait. Je me mettrais pas all-in contre lui. Non. Je serais pas sûr de non. 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 OK. Hey, les gars, je faisais un petit calcul. Ça vaut ce que ça vaut. Guy, dans votre chambre de hockey, tu me diras si vous avez déjà fait ça. Des calculs. Oui. Octobre, novembre, décembre. Janvier, février, mars, tout le temps 3-4 games en avril, mais mettons 6 mois de saison. OK. J'ai divisé, mettons, ça prend 100 points, divisé par 6, ça prend à peu près 16 points par mois. 16 à 17 points par mois si tu veux faire 100 points pour faire série. Ouais.
regardez-vous ça de même? Avez-vous des objectifs comme ça? Le Canadien est à 12. S'il veut finir le mois à 16, il faut qu'il gagne son match de mercredi et jeudi. Puis, en gagnant ces deux matchs-là, tu fais comme job's done pour le mois d'octobre. Non. Jamais fait ça. Gaston, ça fait tout du sens, ça? Moi, j'ai jamais fait ça parce que, regarde, le Canadien, par les deux prochains matchs, là, c'est quoi? On fait valise, puis... Non, t'es en retard. OK. On fait pas les valises, t'es en retard. OK. Mais tu bâtis quoi avec ça? Ben, le premier mois, mettons, tu vas jouer pour 500 ou moins de 500. OK, mais c'est tout du... Il n'y a rien de concret, là. C'est pourquoi on a perdu? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand on va gagner le prochain match? Qui on rencontre next? C'est quoi l'avantage numérique? C'est quoi le désavantage numérique? C'est quoi ton... C'est qu'est-ce qu'ils vont faire sur les face-offs? C'est avec ça, faut que tu remplisses la tête de tes joueurs, là, pas avec... Non, ça, je ne parlerai pas avec les joueurs. Ouais. L'objectif. Mais toi, comme coach, ben de dire... Tu sais, en général... Écoute, Ken Holland, il disait toujours que c'est à peu près une victoire de plus ou de moins par mois, les playoffs. Absolument. Fait que, tu sais, on s'en aperçoit pas, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, mettons, t'es 5 et 4. Après ça, là, le mois d'après, ben là, tu sais, t'es rendu, je sais pas moi, 12-9. Puis après ça, ben là, ton écart se grandit, 5, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu sais, à un moment donné, les gars, ils partent en fou, les équipes partent en fou, puis wow, puis après ça, ça... Comme l'année passée, Buffalo l'année passée a crashé, puis le contraire avec Saint-Louis, là, tu sais. C'est pour ça que c'est aujourd'hui le moment. Qu'est-ce que tu as à faire pour gagner aujourd'hui? Le reste, là, garde, tu peux rien t'occuper de ça, tu dépenses l'énergie que tu as besoin aujourd'hui. OK. Gaston, trouves-tu que le Canadien a accompli la tâche pour le mois d'octobre? Gaston, c'est quand tu veux. On a-tu perdu Gaston? Gaston! T'es allé chercher un Big Mac. Il a faim. On a perdu Gas. T'es allé chercher un Big Mac. Tu as donné faim. Gas a eu faim, il est allé au Big Mac. On va y remettre dans l'intérieur. Ben, je peux vous lire. Écoute, il y a plusieurs éléments de réponse en attendant Gaston qui va sûrement rappeler. Là. Je vais y aller de quelques, ben, d'un petit bilan sur Facebook des gens qui nous écrivent. Yann, il dit bon début. Mais c'est tellement fort dans l'Est que j'ai l'impression que ça va prendre 100 points pour faire les séries. Tu mentionnais 100 points tantôt. J'ai marqué 100 points. Disais, là. Honnêtement, ça se peut fort bien. Ben oui, absolument. Absolument. L'année passée, c'était quoi? 96 Canadiens, c'est ça? Puis on va faire les séries. Hey, c'est 4 points de plus quand même. Là. C'est de la peau. Là. La seule chose que je dirais, c'est que si tout le monde est fort, tout le monde perd des points. C'est sûr. Fait que là, c'est peut-être le contraire. Tu vas peut-être les faire à 92, pas parce que les équipes sont moins fortes, mais parce qu'il y en a trop de fortes puis qu'ils se battent entre eux. Partage des points. Ou on va se distribuer plus de points d'extra. Oui, ça aussi. Ça aussi, c'est un problème dans ce temps-là. OK, du côté du Canadien, écoute, j'en revenais pas hier. J'ai dit, il faut que je parle de ça à Guy. Il va capoter. On parlait de Joël Armia, à quel point ça marqueur de but, 9. Je sais pourquoi tu veux en parler, parce que tu me l'as vanté au début, tu l'aimais, puis moi, je n'étais pas sûr. On a même demandé à Claude, tu sais, qu'est-ce qui fait que du succès à marquer comme ça? Puis Claude dit, un quick release, puis. Ouais. Je dis, tabarnak, il faut que j'en parle avec Guy. Bon, écoutez. T'as-tu ça, le trio Domi, Drouin, puis Armia? Lui, il a dit, j'ai un fabricant de jeu, j'ai un patineur explosif, j'ai un gars qui est fort sa rondelle, etc. Ben, moi, c'est parce que j'aime les duos. Là, t'as le duo Domi avec... avec ouais, ben c'est parce que je suis un gars de trio, mais t'en as presque jamais trois qui fêtent ensemble. C'est Boston, c'est extrêmement rare ce qu'ils ont. Colorado, la même chose. C'est ça, une ligne complète là, qui est vraiment de trois gars de ce calibre-là, il n'y a presque personne qui a ça. Fait que ça, alors, je regarde le Canadien, c'est Drouin qui va bien, qui performe bien, qui travaille fort, tout ça, avec Domi. Je pense que Domi avait besoin d'aide, avait besoin d'être entouré. Puis là, après ça, tu mets Armia, qui est un joueur différent, qui vient les compléter, ben en ce moment, ça me surprend pas que ça fonctionne, mais ça aurait pu pas fonctionner aussi. Ouais, c'est une question de chimie. Mais c'est ça, exactement. Ça va peut-être être trois matchs, mais oui, Martin, je vais le dire aux gens, là, encore une fois, tu avais raison, Armia amène des bonnes choses, des choses que le Canadien n'a pas. Fait que c'est pas juste cette ligne-là. Je pense que dans le global, le Canadien bénéficie d'un joueur qui est différent de ce qu'il a. Tu donnes assez de volets par show, tu peux même envoyer une coupe d'affaires. Ben c'est ça. Tu peux même envoyer une coupe d'affaires. J'ai même pas mis mes gants de bâche aujourd'hui. Je vais prendre la question d'un autre. Vas-y, après ça, je vais aller voir Gaston, le retrouver. Là. Je vais lancer Gaston là-dessus. Mike, il dit, le Canadien joue pour 500 environ, mais ça progresse de plus en plus. Tu parlais de positivisme tantôt, là, on en cherche. Mike, il dit... ça progresse de plus en plus. Les matchs sont quand même plus excitants qu'il y a deux ans, donc je reste positif. Mais il voit une progression malgré la fiche de 500. Il voit que ça débloque. Gaston, es-tu d'accord avec Mike? Ben moi, j'aime beaucoup ce que le Canadien fait dans le moment parce que c'est une équipe qui est beaucoup plus en mouvement. C'est une équipe de mouvement. Il faut bouger à rondelle. La transition défenseur-attaquant doit être rapide et précise. Ça, c'est,
Ça n'a pas été le cas toujours lors du camp d'entraînement au début de la saison. J'aime le fait que du côté de Claude Julien, il a laissé intact le trio de Dano. Et là, il a formé le trio de Domi avec Douin. Et je rejoins Guy Boucher lorsqu'il dit que ça fonctionne dans le moment. Mais moi, je lance pas des fleurs à Martin. Ça, c'est hors de question que je fasse ça en long. Je l'ai assez fait en début de saison. Parce que pour moi, Armia, pour profiter du moment qu'il est dans une bonne séquence, il reste que c'est un joueur de troisième ou quatrième trio. Et là, je me dis, il est très opportuniste. Il marque des buts, il joue. Il faut pas oublier qu'il y a du temps de glace de qualité, là. Avantages numériques, désavantages numériques. Sur le deuxième trio, c'est normal qu'il ait des chances de marquer et c'est normal qu'il puisse être capable d'en profiter. C'est un gars qu'on dit qui était capable de marquer entre 15 et 20 buts. Mais partons pas en peur là, pour le trophée Maurice Richard pour Armia. Là. Non, je suis d'accord avec toi, Gaston, mais es-tu d'accord qu'avec les mêmes chances, les mêmes opportunités, Armia fait quelque chose avec et Lekkonen ne l'a pas fait? Fait que déjà, c'est un positif, non? Oui, je suis entièrement d'accord, Guy, mais Lekkonen, là, tu l'as appelé Lekkonen, c'est patine, mais marque pas souvent. C'est non, ça non. Son vrai nom. Parce que c'est vrai que lui, il travaille, il est bon pour un échec avant, il a beaucoup de chances de marquer, mais c'est vrai qu'il marque pas. Et je donne énormément de crédit à Armia. Il le fait. S'il peut le faire toute l'année, je vais être heureux, mais on va attendre qu'il soit capable d'être constant dans ses saisons. Mais dans le moment, là, je pense que dans le cas de Claude Julien, il a eu la main heureuse, c'est parfait, il faut qu'il en profite. Mais déjà après le voyage de trois matchs, on va voir comment ils vont se comporter, parce que là, on va être capable de positionner des défenseurs contre eux et même des trios contre eux. Claude n'aura pas le dernier changement. Surtout sur la route, oui. Oui, puis des sparks, des joueurs, tu sais, la plupart des joueurs sont capables de donner des sparks, mais de le faire régulièrement sur une longue période de temps, c'est très difficile, même pour les meilleurs joueurs de le faire. Alors, les joueurs qui sont pas habitués à ce rôle-là, ben habituellement, ça tendance. Mais sauf qu'il faudrait pas, avec un match qui joue pas bien, commencer à douter. Je pense qu'il y en a assez fait en ce moment pour être en avant de tous les autres. T'sais, s'il y en avait d'autres qui avaient été aussi bons que lui ou presque, ben là, tu pourrais faire des alternances. Mais là, pour l'instant, c'est clairement lui qui a mérité. Puis, la même chose avec Drouin. T'sais, Drouin, il a travaillé pour être sur cette ligne-là. Puis moi, j'ai adoré ce que Claude a fait, à la place de lui donner, il l'a fait travailler pour l'avoir. Ça a toujours plus de valeur. C'est pour ça que j'aime pas ça, moi, quand on donne tout à un jeune. Parce que quand il donne tout, là, après ça, la minute que tu y en enlèves parce que t'as pas le choix d'y en enlever parce qu'il ne mérite pas, ben là, il crash, puis c'est extrêmement difficile à remonter. Des fois, tu le remontes jamais, t'es obligé de l'envoyer à l'Américaine, puis ça y prend trois jeux de garde. On l'a vécu, nous autres, avec Conley. Elle t'aime pas. Il méritait pas d'être là, mais c'était le choix de première ronde, il n'y avait pas d'autre, on voulait. Puis garde, après à peu près un mois et demi, les meilleurs joueurs sont venus nous voir, puis on dit, garde là. Il dit, moi, là, je t'assieds de faire le babysitting. Là. C'était même pas juste le jeune. Là. Puis lui, était le petit gars, il avait plus de confiance. On n'était plus capable de le remettre sur les rails. Puis il était dans la ligne américaine pendant des années avant de pouvoir monter. Fait que, tu sais, je suis content pour lui. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres que quand tu donnes facilement, comme on fait avec nos enfants, puis qu'ils ne méritent pas, ben ça n'a pas du tout la même valeur. Ça, okay. C'est vrai, mais ça mérite pour Armia, c'est très bien expliqué, mais ça mérite pas que Martin ait des félicitations publiques de l'avoir. Oui, mais non, mais Gaston, c'est parce que t'as manqué les deux dernières fois que j'ai passé. Que j'ai réécouté, là, puis là, j'étais là, oh, attends une minute, là, j'ai mis Megan Box un peu trop fort. Là. Fait que, j'essaie de me reprendre pour la prochaine fois. Gaston, j'ai exactement fait ce que Guy a dit. J'étais allé travailler sa quatrième ligne, j'ai mangé des volets. Tranquillement, pas vite, je monte les galons. On m'a rien donné dans ce show-là. Ouais, mais Martin, t'es un gros gabarit, t'es capable d'encaisser. Ouais. Non, ouais. Mais c'est vrai, puis je rejoins juste 30 secondes Guy quand on dit un premier choix. Mais quand le jeune te démontre par son travail, son acharnement, comme un peu Gallagher le fait, c'est vrai qu'un entraîneur peut se permettre d'être un peu patient. Mais quand il le mérite pas, une tape ses doigts, c'est comme un enfant. Ça te fait mal au cœur, mais dans le fond, il va revenir plus fort. Puis ça, moi, je suis entièrement d'accord. C'est tough love. Puis tu sais quoi, dans notre société d'aujourd'hui, Gaston, on l'oublie. C'est pas juste au hockey, on oublie ça. On a peur du tough love avec nos enfants et les gens qui nous entourent. Puis ça donne que les gens, ils veulent avoir les choses faciles, puis ils veulent peser sur un bouton, puis ils l'ont tout de suite. Puis que quand ils l'ont pas, au bout de 6 mois, ils veulent changer de compagnie parce qu'ils n'ont pas eu de promotion. Puis tu sais, c'est ça que ça donne. Fait qu'à un moment donné, la persévérance, puis tout ce que ça prend comme travail pour arriver à quelque chose à longue haleine, mais il faut l'enseigner, puis il faut pas juste le dire, il faut le faire, puis moi je trouve que Claude l'a fait depuis le début de l'année. OK. Question Tim à la mise en ombre, je trouve qu'elle est bonne. Armia était un marqueur de but en Finlande dans les mineurs quand il était un premier choix des Sabres de Buffalo. Gros bonhomme, souvent on dit que ça se développe
sur le tard plus lentement. Est-ce que Armia peut être en train de se développer sur le tard? Moi, je pense qu'il y a le gabarit. C'est un droitier, donc dans le cas du Canadien de Montréal, un droitier, c'est très important parce qu'à part Gallagher, là, c'est un peu la chaise musicale. Est-ce qu'il peut marquer des buts? Moi, je pense que c'est peut-être un gars... Il peut peut-être marquer 20 buts, 25 buts, mais je ne le vois pas comme un marqueur de 30 buts. Le seul gars qui n'a pas le talent de marquer 30 buts puis qui en marque, c'est Gallagher, mais c'est son implication, sa foule, son énergie, son émotion fait en sorte qu'il est positionné, il touche les doigts, les dents tombent à terre, la rondelle tombe dans le but, il est content. Je vois pas Armia là-dedans, puis je ne vois pas Claude Julien ou un jour ça va être un autre entraîneur utiliser autant Armia dans des situations de qualité comme Claude le fait dans le moment, parce qu'il n'y en a pas d'autres. OK. D'abord, je vais aller jouer dans ton bobo, Gaston, puis dans le bobo de Guy. Ouais. Si Yoel Armia, parce qu'il y a 6 buts en un match. Oui. Puis il y en avait 13 en passant en 57 matchs, qui était sa plus grosse production dans la Ligue nationale de hockey. Si Yoel Armia atteint la marque des 20 buts, je dis même pas 25. Mm-hmm. Là, je vous le dis, là, on jase. Excellent podcast, mais ça porte son nom. On jase. Les deux, vous avez un amour avoué pour Paul Barron. Il en a marqué 2 fois 20 buts, lui. Laisse-moi finir. Puis des paquets de 15 et quelques, là, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Mais Paul Barron, c'est un gars de rush, c'est un gars de speed. Pas d'avantage numérique, continue. Pas d'avantage numérique. Ah ouais, c'est un des meilleurs, vraiment. Tu sais, ses buts, ils ont eu pas d'avantage numérique. Tu regardes des meilleurs joueurs, là, puis très souvent, ils ont pas ces buts-là, là, à 55. Là. D'accord. Barron? Oui. Ouais. Moi, c'est pourquoi où? Là, non. Parce que le jeu, ça fait longtemps. Pourquoi? Qui est le meilleur joueur? Ouais, mais c'est pas une question d'être meilleur. Pourquoi tu peux pas avoir un paquet de meilleurs joueurs? Je suis d'accord, on les a. Je suis heureux. T'aimes pas ce qu'ils disent Johnson ou pas au Point? Ben moi, je vais te dire Point est meilleur que Johnson. Ben oui, mais est-ce qu'ils vont dire qu'on se débarrasse de Johnson? Je sais que Point, je sais que tu n'iras pas là. Je vais même te dire que Point est meilleur que Stamkos. Ah, ben là. Martin, j'aime pas ça. On a légalisé le pot. Les pauvres, j'ai d'en fumer avant de prendre l'émission. Là. Voyons donc, toi. Je n'ai jamais pris de drogue, Gaston. Je te pose la question. Ton Paul Barron d'amour ou Joel Armia? Moi, parce qu'il est droitier. Parce qu'il fait 6 pieds 3 ou 6 pieds 4. Parce que le Canadien à droite, dans le moment, n'a rien d'autre que Gallagher. Je suis obligé de dire Armia puis de sacrifier Paul Barron. Mais si je sacrifie Paul Barron, dans la transaction que je vais faire, je vais avoir plus pour Paul Barron que pour Armia. Ça, c'est sûr. Peut-être un Big Mac de plus, selon Marc Bergevin. J'ai même pas parlé de trajet. Mais là, Martin, pourquoi tu... Là, tu sèmes une polémique de quoi? Je veux dire, y a-tu des discussions que j'ai pas entendues? Pourquoi c'est un ou l'autre? Pourquoi c'est pas « et » qui est le meilleur? Lequel tu fais jouer en avant de l'autre? Ah, OK, dans ce sens-là. Okay, qui est le meilleur joueur? Mais c'est pas le même joueur. C'est pas la même exactement. Chose. C'est pas la même chose. Toi, tu préfères un, l'autre préfère l'autre, puis tout ça. Mais Barron amène quelque chose. Que la ligue là, aujourd'hui, c'est quoi? Vitesse. Bon. Lequel des deux, là? Paul. Bon. Fait que lequel prend le plus de chances de maintenir ses forces? Maintenir ses forces. Non, mais si tu me demandes sur lequel cheval gager à long terme, je vais gager sur Barron. Parce que peut-être dans 3 ans, Armia est trop slow pour la Ligue. Peut-être Armia est trop slow pour la Ligue dans 3 ans. Je dis pas qu'il va l'être. Là. Te dire qu'il y a une possibilité que. Mais Barron va être encore capable de patiner. Qu'est-ce qu'il faudrait pour le show, Luc? Le mot on jase, le nom et le titre du show puis qui flash devant nous autres quand tu mets une petite polémique demain, juste pour qu'on rappelle qu'on fait juste jaser. Martin, est-ce que toi tu voterais pour le musicien? Hein? Le musicien, toi tu prendrais pas Barron, tu prendrais le musicien. Parce que Armia, il y a un piano sur le dos quand il patine. On prendrait le musicien. Ça va être dur à topper, celle-là. T'inquiète pas, on s'habitue. Il faut mieux en rire qu'en pleurer. Ben oui! Mais honnêtement, c'est tout du positif, pareil. Ouais, ben oui! C'est tout du positif, ouais. C'est super. Hey, Canadien Gongi, un match sur toi, puis on est positif à tout. Ah, ça, c'est incroyable comme on est. Mais tu sais, tantôt, tu disais, Luc, le positif, c'est bien plus une question d'être constructif. Tu sais, être toujours positif, le gars, je m'excuse, là. Non, ça fonctionne. C'est pas la vérité, là. Fait que, t'as des moments que c'est le temps de positif, mais t'as des moments que c'est le temps d'être constructif. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont pas nécessairement bien faites. On l'aborde, mais on l'aborde tout le temps dans l'optique qu'on veut l'améliorer. Mm-hmm. Fait que être constructif et spécifique,
C'est bien plus important qu'être positif en général. Assurément. Ça, c'est certain. Et Frank, sur notre page en jazz, fait un beau petit bilan, puis je vous entends là-dessus, puis on va parler du voyage qui s'en vient aussi, là, mais il dit... il trouve que le bilan après 11 matchs est imprévisible. Tous les joueurs qu'on pensait, en tant que fans, connaître un lent début de saison nous font mentir. Drouin, Armia, il parle de Suzuki aussi. Bon, c'est une recrue. Suzuki, elle est bien en camp d'entraînement, c'est contraire. Effectivement. Ils gagnent aussi contre des équipes fortes, Toronto, Saint-Louis, mais peuvent perdre, exemple, contre le Wild du Minnesota qui connaissait un mauvais début de saison. Puis voilà, il complète sur Poehling puis Kotkaniemi, mais bref, l'essentiel de son message, c'est ça. Là. C'est imprévisible après 11 matchs, puis qu'il y a des surprises à quelque part. OK. Oui, mais c'est normal parce que le camp d'entraînement, il y a certains joueurs, puis ça, je déplore ça. On devrait toujours être un peu comme Gallagher, c'est-à-dire c'est toujours on joue pour le match ou un match préparatoire ou un match de saison comme si c'était la Coupe Stanley. Mais il y a des risques de blessures, il y a beaucoup d'argent investi dans les contrats. Il faut faire attention, puis l'entraîneur, puis Guy m'en a glissé un mot, il faut que tu fasses attention à tout ça comme entraîneur. À gérer tout ça, quand un gars veut toujours y aller, c'est pas facile, mais c'est encore moins facile d'en pousser un quand il veut pas y aller, puis c'était le cas d'Armia. Au Canada, on l'a pas vu. Mais c'est positif, parce que quand ça a commencé, on a vu des joueurs qui se sont, je te dirais pas améliorés, mais ils ont démontré qu'il y avait du talent puis qu'on avait foi en eux autres. Puis ils l'ont bien fait. Puis là, Drouin est là-dedans. Maintenant, ça doit continuer. Il ne faut pas partir en peur sur 11 matchs. Le Canadien de Montréal va être une équipe qui va se battre pour les séries. Puis ça va dépendre du 31 dans le filet. Donc, pour moi, c'est correct, mais restons calmes parce qu'on en gagne une. On s'en va sur la rue Sainte-Catherine porter notre chaise pour la Coupe Stanley puis on en perd une. On veut tous les échanger. Non, ça, c'est sûr. Puis, tu sais, si on veut tous des Gallagher, je suis d'accord avec toi, Gaston, mais tu sais, moi, si je m'étais fié au camp d'entraînement, là, Martin Saint-Louis était dans les estrades, puis le cavalier était à la 4, puis... non, parce que, tu sais, ces gars-là, ils voulaient juste pas se blesser. Ils s'entraînaient comme des fous hors glace, puis pendant les entraînements, mais arrivé dans un game, là, tu les voyais pas. Puis la raison, c'est parce que, justement, ils voulaient pas se blesser, puis ils voulaient prendre leur timing. Pis, parce que, tu sais, t'as une gang d'autres équipes, l'autre bord, là, des kids, là, sont fringants, mais ils peuvent te faire péter dans le dos, puis des slashing, puis des ci, puis des ça. Fait qu'à un moment donné, ces gars-là comprennent ça, puis essaie d'éviter ça. Mais oui, est-ce que c'est normal quand tu me parles de Saint-Louis, tu me parles de Cavalier, mais quand nous autres, on parle de Armia et de joueurs comme ça, je pense qu'ils ont toutes ces choses à prouver pour rester dans la ligue. Ça, t'as raison. Honnêtement, là, c'est toi qui as la meilleure phrase de ce midi. Là. C'est absolument raison. Non, Martin. Martin, c'est l'animateur. Là. C'est lui qui nous fait sortir de nos... C'est l'encaisseur. Ouais, pousse vos boutons. Bon, ben, je vais te laisser partir sur un high, mon Gaston. Comment ça, tu me flushes déjà? Fais du fun et Guy. C'est correct, j'ai compris. Enfin, les amis, bonne fin de match. Je te vois demain, mon chum. Bye. Salut, Gaston. Bye. Gaston, on a fait une couple sur nos pages avec ses jeux de mots légendaires là, au début de l'émission puis pendant. Oh, oui. On adore Gaston. C'est drôle. Mais parce sa joke de Marc qui ne veut pas trader son Big Mac était bonne. C'est drôle parce qu'on parlait juste avant, tu sais, de que les entraîneurs puis Bob Gainey étaient stoïques là, un peu là. Un peu dans ce cas-là. Puis c'est drôle parce qu'il y a quelqu'un qui a écrit, je pense c'est Achigan Corias qui a écrit depuis une couple de semaines, il dit Gaston a une bonne humeur comparativement à lundi. Je dis Gaston est toujours de bonne humeur. La preuve qu'à un moment donné les perceptions sont différentes de chaque personne puis Gaston puis honnêtement regarde, on va se le dire, quand t'es un coach, t'es un personnage là, je veux dire. Pas juste ça. Moi je vais aller plus loin. Si je coachais quand j'étais à la maison, ma femme a rebarré à la porte, ça fait longtemps. Là. Exact. Puis, on va prendre la TV, ce qu'on fait. Là. Gaston n'a pas les mêmes commentaires sur lui, sur notre show, que quand il passe ailleurs. C'est la même chose avec moi. J'ai trois shows différents, j'ai trois approches différentes. Là. T'as un angle. Là, À 360, t'as trois minutes, t'as pas le temps de faire de blagues, puis t'as ta face de coach. C'est très court, ouais, c'est très court, c'est précis. C'est en préparation d'un match après un match, là, c'est pas la même chose. Ici, c'est at large, c'est pas la même chose. Là. On s'amuse. Ouais, les gens s'expriment sur Armia. Tu sais, ça soulève des débats et des passions, puis c'est ce qu'on veut. De toute façon, genre, il y a plusieurs réactions depuis le début de l'émission. Je ne sais pas si je vais poser la question. On est toujours sur Facebook. Là. On va mettre fin au Facebook Live dans quelques instants et vous inviter tout de suite à faire le lien vers rds.ca. On va avoir Jonathan Marchessault un petit peu plus tard. Mais Kevin Brassard sur Facebook, il dit « C'est bon, cette question-là.
Je sais que je vais en poser parce que je pense que vous en avez parlé tantôt. Puis peut-être que vous allez teaser Hockey 360 ce soir, ce serait une excellente option. Mais il dit, comment expliquer qu'on était un club défensif et maintenant, rien ne marche en désavantage numérique. La défensive est plus que moyenne, le gardien ordinaire. On devrait plus gagner avec autant de buts marqués parce que les Canadiens marquent des buts. Je sais pas si vous comprenez ma question. Je sais pas si tu vas dire, Guy, écoutez Hockey 360 ce soir parce que le désavantage numérique va pas bien. Non, non, mais pour le désavantage numérique, par exemple, le désavantage numérique du Canadien allait bien l'an passé. Oui. Guy, tu nous as conté l'histoire qu'à Ottawa, vous aviez un désavantage numérique de boîte et pourtant, vous étiez sur le même modèle que l'Arizona qui était premier. Oui. Cette année, on a parlé avec Éric Bélanger qui nous a parlé du désavantage numérique. Puis des fois, lui, il a soulevé la question. Puis je sais que ça y a bien du monde qui ont réagi vendredi, mais c'est drôle. On dirait que parce qu'Éric en a parlé, puis que c'est allé sur les médias sociaux, plus de monde en parle. Puis moi, j'avais dit à Éric, qu'est-ce qu'il avait dit? Jordy Benn. Ah, oui. Il avait fait la règle de 3 par rapport à Jordy Benn. J'ai dit, ça peut pas juste être Jordy Benn. Tant qu'à ça, je vais te sortir des stats. Tu sais, Shaw jouait sur le désavantage numérique. Donc, est-ce que c'est le même désavantage numérique pour on a changé les effectifs? Oui. Je l'ai étudié, là. Je l'ai étudié. C'est la même chose. C'est les mêmes règles, c'est le même système, c'est le même... Présentement, on s'ennuie de Jordy Benn. Ben oui, mais je veux dire, c'est parce que, comme je te dis, on prend toujours un joueur, puis on l'isole, on l'enlève. Non, tu peux pas faire ça. Un joueur, des ramifications. Ça veut dire qu'il joue tant de minutes, il joue avec qui, la chimie avec qui, bon, puis tout ça. Fait que ce qui fait que ce joueur-là impacte pas juste son rôle à lui, puis son match à lui, il impacte les autres autour de lui, ça inspire la confiance. Tu sais, quand un gars bloque des lancers, ben là, l'autre, il veut bloquer, puis l'autre veut bloquer. Puis là, ton équipe devient une équipe qui bloque des lancers, comme nous autres avec Ottawa, par exemple, et avec Carlson. On a eu des grosses discussions ensemble que, tu sais, son talent, parce que le talent des joueurs, ça l'impressionne, mais ça l'inspire pas. C'est tout ce qui inspire. Oh, okay? Bon, ben, c'est ça. Le talent impressionne, mais ça l'inspire pas. Qu'est-ce qui inspire des joueurs, des partisans? C'est l'éthique de travail, c'est l'attitude, c'est la absolument. Discipline, ah, tout oui. ça. Ah, quelqu'un oui. qui paye le prix, tout ça. Fait qu'Éric est exceptionnel. Cette année-là, il a été un des meilleurs dans la ligue. Il était premier jusqu'à temps qu'il se blesse pour bloquer des lancers. Fait que, oui, bon, ben, ça, c'est un engagement. Donc, attends, inspiré... talent impressionne, c'est quoi qui inspire? Éthique de travail, attitude, discipline, payer le prix. Ah, l'attitude. Physiquement. Fait que, tu sais, fait que tout ça... C'est bon, ça. Ouais. Là, tu m'as complètement mis off, là. Excuse-moi. Non, c'est correct. Mais juste te donner que c'est le même gars, là. C'est le même gars qui, d'un coup, joue d'une façon différente. Mais à cause qu'il joue comme ça, ça a un impact sur lui, puis lui, puis lui, puis lui, puis lui. Ce qui fait que ton équipe, maintenant, n'est pas la même. Alors, un joueur fait une énorme différence. Je vais te donner un exemple. On va en parler ce soir, parce que je vais être plus précis à soir. Pourquoi? Tu vas avoir des images. Je vais avoir des images avec, puis je vais l'expliquer à 360, puis je suis en train de préparer des capsules puis pour expliquer l'hockey d'aujourd'hui, comment ça se joue, puis pourquoi, puis les systèmes, ça veut dire quoi. Bon, ben ils vont être prêts bientôt. Fait qu'une des capsules, ça va être du désavantage numérique en zone défensive. Si on regarde Tampa, ils ont fini où l'année dernière? Où? Top 5? Top 5? Top 5. Essayez donc premier. Premier? Premier dans la ligue. Premier dans la ligue. OK. Premier piqué, je pense. Si tu veux vérifier ouais, ça, là, il me semble que c'est ça. Ils n'ont pas changé de système, ils font exactement la même affaire. Ils sont quoi cette année? Ouh. Ben, vu que tu en parles dans le dernier tiers, mettons. 28e. OK. Ah. OK. Assez proche du Canadien. Les deux ont le même système. Les deux jouent la même affaire? Dans la zone défensive, ils jouent la même affaire. Ou les deux Lightning jouent la même affaire? Non, non. Les deux Lightning, l'année passée et cette année, jouent la même affaire. Le Canadien joue la même chose que l'année passée et cette année. Les Canadiens et Lightning jouent les la même Canadiens affaire. Les Canadiens et Lightning jouent le. Oui. Ben moi, leur conseil que je leur donnerais, c'est arrêter. Ben. Ils sont 28 et 29. Oui, mais ils étaient premiers l'année passée. Puis l'autre était 13e l'année passée, avec le même système. Ma blonde. Bon, ce que je veux te dire, c'est que. Ouais. Ils ont quoi qui a changé? Le coach n'a pas changé. Ça n'a pas changé. T'aimes pas, ils ont perdu qui? Commande, Martin, c'est toi Girardi, la cyclopédie. Girardi a pris sa retraite, puis Strowman est rendu avec Florida. Deux défenseurs. Mm. Alors, Girardi, c'était un des meilleurs bloqueurs de shot de la ligue, puis Strowman était très bon aussi. Tu mets les deux ensemble, tu enlèves ça, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne des lacunes, ça te donne un manque de contagion sur les autres, puis tout ça, puis tout ça. Parce que la manière que le Canadien joue, la manière que Tampa joue, c'est en zone défensive. Il ne coupe pas la glace à moitié pour mettre de la pression avec l'attaquant. Il laisse les défenseurs mettre de la pression sur les bandes, puis tout ce qui est en haut, il joue très tête. Ce qui fait que tu privilégies les lancers bloqués, ton gardien de but qui est isolé finalement du reste des joueurs parce que ses défenseurs restent à l'intérieur, puis parce que tu as des gros défenseurs à Tampa avec des longs bâtons où il y avait ça l'année d'avant.
Ben, ce qui fait que c'est une façon de jouer qui fonctionne très bien, mais ça dépend de ton personnel. Fait que les deux ont des difficultés, fort probablement, parce que le personnel a changé. Fait que là, il y a un réajustement à faire. Puis comme on a fait, nous autres, avec Ottawa, on s'est aperçu, wow, j'ai déjà eu plein de succès avec cette façon-là, mais ça ne fonctionne pas avec ce qu'on a. Mais ça, tu ne peux pas vraiment le prédire tout le temps. Là. Mm. Fait que là, tu l'essayes, tu t'aperçois que ça ne fonctionne pas. Fait que nous autres, genre, autour du 14 novembre, on l'avait changé. Puis après ça, à partir de ce moment-là, jusqu'à temps que je m'en aille, je sais que c'est Martin Raymond qui s'occupait de ça. On était rendu dans les top 5. Mais pas là, parce qu'on était tellement en retard, tu sais, pas sur la statistique finale. Mm-hmm. Ouais. Mais de cette date-là, on s'est maintenu dans les top 5 meilleurs, avec les mêmes joueurs. Mm-hmm. Mais là, on avait fait un ajustement parce qu'on s'est ajusté à notre type de joueur à nous. Alors, moi, je ne vais pas dire aux Canadiens qu'ils ne font pas ça bien. Ils essayent de faire la même affaire qui nous a donné du succès. Mm-hmm. Pourquoi ils ne commenceraient pas avec l'année avec ça? Je veux dire, tu ne peux pas t'imaginer que tu vas avoir autant de difficultés. Ça va être une catastrophe. Ça va être, c'est impossible d'imaginer ça, sinon tu ne le ferais pas, évidemment. Fait que tu n'aimes pas premier. Pourquoi qu'il arriverait cette année et vous dire, écoute, là, on est premier, là, on va changer de 180 degrés notre philosophie, ça n'a aucun sens. Ouais. Fait que là, il ne peut pas y changer tant que ce n'est pas brisé. Ben, exactement. Parce que même exactement. Si enlever les éléments, il faut qu'ils attendent de voir s'il y a encore le succès ou pas avant de prendre la décision de changer. Oui, mais là, puis à un moment donné, des fois, tu as un manque de succès à court terme, puis à un moment donné, les choses se réajustent, les joueurs se réajustent. Ben, c'est ça, là. Quand tu changes trop vite, là, les joueurs, là, ils pensent que tu paniques. Fait que là, c'est toi qui crée le problème. Mm-hmm. Fait que là, il faut t'attendre assez longtemps, surtout en parlant à tes vétérans, les joueurs qui sont là-dessus, tout ça. Tu as des bonnes discussions, puis ils disent tout, non, on change pas, on va être correct, ça marche, on est passé. Fait que là, tu veux leur laisser cette liberté-là de prendre soin de leur bébé, finalement, qui est le désavantage numérique, parce qu'ils sont fiers de leur résultat en désavantage numérique. Mais après certain temps, quand ça s'éternise, là, tu n'as pas le choix, à un moment donné, il faut que tu essaies de trouver une solution. J'adore ça. Puis, tu sais quoi? Là, après la game de San Jose, Claude avait le feu dans les bottes. Elle dit, là, ça, je m'en occupe demain. Puis avant même qu'on lui pose la question, non, mais je vais vraiment m'en occuper demain. Et là, il y en a qui ont trouvé qu'il mettait son assistant qui faisait le désavantage numérique en dessous du boss. Mais ça t'est arrivé, toi aussi, de dire, ben oui. Je pense que c'est Martin, c'est ton grand chum qui s'occupait du désavantage numérique. Oui, mais il avait... D'aller mettre ton nez dedans puis de dire, là, il faut changer quelque chose. Ben oui, mais sauf qu'il faut que tu dises la vérité. La vérité, c'est que quand, avant que l'année commence, on avait option A puis option B. Là, on a tous ces nouveaux joueurs-là. Qu'est-ce qu'on va être capable de faire? Ben moi, je pense ça. L'autre assistant pense ça. Lui, il n'est pas sûr. On est entre les deux. On hésitait. Les deux fonctionnent, on le sait. Tous les systèmes fonctionnent. Et ça dépend de ton personnel. Fait que là, il faut t'évaluer. Puis là, à un moment donné, t'as évalué que tu serais capable avec tel gars. Puis finalement, c'est trop pour eux autres. Puis eux autres, ça devient trop passif pour eux autres. Puis, fait que c'est moi qui ai prédit. C'est pas Martin Raymond. Là. Martin Raymond, après, s'est occupé de la façon que moi, je voulais que ça joue. Mm-hmm. Fait que la responsabilité est sur mes épaules à moi. Si les gars arrivent et disent, hey coach, cette année, on aimerait essayer ça. On a vu telle équipe faire ça. Veux-tu ajouter ça? On devrait changer ça. Après ça, c'est tout sur les épaules du coach en chef. Fait que oui, après. Ouais, t'arrives sur des avantages numériques et comme ça, tu fais comme « Hey, j'étais pas au courant. » Ben non, c'est ça. Fait que, fait que Martin, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'est occupé exactement de la façon que moi, je l'avais demandé. Puis, il faisait sa job. Puis après ça, c'était encore lui qui s'occupait de lui quand on a décidé de le changer parce que j'ai pris la décision. Mais on n'a pas pris la décision de devenir quelque chose de complètement nouveau. C'était notre option B. On a quasiment commencé avec l'option B en commençant l'année. On hésitait entre les deux. Fait que, tu sais, après ça, Martin a pris ça. Puis avec ça se portait plus à notre équipe. J'adore ça. Fait que, tu sais, c'est de mettre ton assistant tout du boss, là, c'est pas ça qu'il a fait l'autre, là. Ce qu'il voulait faire, c'est, hey, c'est la responsabilité, c'est moi, le coach en chef. Je vais la prendre parce que, oui, il faut. On va décider si on change pas. Exactement. Est-ce que tu es joueur? C'est-tu le type de système qui ne fonctionne pas avec ça? Est-ce que les équipes ont changé l'avantage numérique? Y a-tu plus d'équipes qui jouent d'une façon maintenant en avantage numérique? Ça aussi, ça compte, là. Ouais, c'était Chiarot qui prenait la première gaucher, puis là, maintenant, c'est Petrie. Mais Petrie et Weber sur la première désavantage numérique, si possible, parce que peut-être que les gars étaient sur la glace. Puis là, il leur fait jouer une grosse partie du désavantage numérique. Samedi contre Toronto, qui est un bon avantage numérique, ils n'ont pas marqué en désavantage. Ils n'ont pas marqué en avantage, donc le Canadien n'a pas donné en désavantage. Donc, ce serait intéressant de voir sur la route si ce qui est arrivé dans la pratique de vendredi, si ça se perpétue au courant du voyage. Puis le Canadien a eu une bonne pratique hier. Ont déjà pris l'avion hier pour passer deux jours en Arizona. Ils vont pratiquer à 14h cet après-midi. Parle-moi de ça. Le fait de partir deux jours avant, ça doit être... Ben, il faut regarder. Oui, bien, avant, je vais juste poser une question au Facebook par rapport à ce dont tu viens de parler, Guy, puis je ne sais pas si tu as répondu, puis on va mettre fin au Facebook Live, on va reprendre vos questions sur RDS, mais juste dernière question sur Facebook. Tu sais, les tranches de 10 matchs, on a séparé ça en 10 matchs, puis la plupart du temps, on entend parler que ça se séparait en 10 matchs. Jérémy, il dit à partir de quand
on doit modifier le système. Est-ce que c'est par tranche de 10 matchs? Comme ou on... des avantages numériques. Exact. Non, exact. Pas nécessairement. Okay. Puis premièrement, tu sais, 10 matchs parce que là, c'est le système métrique. Si t'es en Angleterre, si t'es aux États-Unis, tu vas-tu à 12? Tu sais, je veux dire... Non, mais c'est pas arbitraire comme choix. Il y en a qui vont y aller à 5. Il y en a qui vont y aller à 20 matchs. Okay. Puis honnêtement, c'est juste ce que c'est, ces choses-là. C'est pour te donner un point de repère que, OK, telle semaine, on va réévaluer tout. Puis, puis même individuellement avec les joueurs, puis tout ça. Mais la réalité... Ton temps pratique ça... aussi. Ouais, ben c'est ça. C'est justement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus une planification de jours ou des 2-3 prochains jours avec ton voyagement. Parce que premièrement, tu peux arriver et te dire « OK, on t'a supposé pratiquer là. » Finalement, les gars sont fatigués. On a un voyagement, se coucher. L'avitement, à la place d'arriver à 1h du matin, t'arrives à 4h du matin parce que l'avion t'a retard et tout ça. Fait là, t'as un ajustement à faire. Mm-hmm. Ça donne à rien d'embarquer sur la glace. De faire les gars vont dormir 4 heures. Là, les médias capotent parce qu'il n'y a pas de pratique, là, puis tout ça, mais c'est ça. Fait que, non, la vérité, c'est que tu y vas, tu gères ça, tu sais, jour par jour, mais tu sais, habituellement, c'est un contexte de 2-3 jours, là, parce que ton prochain match, bon, tout ça. Et puis, tu es spécifique. C'est pour ça que je disais tantôt, OK, oui, le Canadien, sur papier en ce moment, c'est pas beau le désavantage numérique, sauf que c'est pas comme ça que ça se passe dans le bureau des entraîneurs. Mm-hmm. Bureau des entraîneurs, c'est OK, on a ça comme problème, on a ça, puis il y a ça et ça qui vont bien. OK, là, on s'attaque à ça, pas les 3 affaires. On ne sera pas capable d'enrayer ces 3 affaires-là d'une shot. Là. Fait qu'on va commencer avec ce point-là parce que c'est le plus crucial. OK, finalement, on a réglé ça, mais on s'est fait scorer pareil. Mais regarde, tu as une affaire à régler. C'est mieux. Là, on sait qu'on avance, mais ils sont fait scorer. Fait que là, tout le monde te tombe sur la patate. Hey, encore pourri à soi. Mais toi, comme entraîneur, ta job, c'est de faire la part des choses avec tes joueurs. Hey, on avance. Parce que, tu sais, si tu as des équipes, mettons, qui sont en reconstruction, ou, tu sais, je n'ai déjà eu, mais, mettons, le Lac-Saint-Louis dans le temps, Midget 3, tout le monde m'avait dit, va pas là, va pas là. Il n'y avait pas de sport-études. Écoute, c'était atroce, le bassin, à ce moment-là. Puis là, j'étais, puis les premiers matchs, tabarouette, 12 à 2, puis que c'était une vraie honte, là. Puis toute l'année, si je m'étais attardé aux résultats tout le temps, bien, regarde, t'avances pas. Fait qu'à toutes les fois, c'était toujours une image de progression. Fait que même, hey, on se battait, se faisait battre, mettons, 7-3, puis on parlait de progression. Mais c'était la seule affaire sur laquelle les joueurs pouvaient s'accrocher. Mm-hmm. Puis à la fin de l'année, bien, regarde, on battait toutes les meilleures équipes. En finale de la conférence, on a perdu en 7 contre la meilleure équipe qui a gagné le championnat. Mais ça a été s'accrocher aux progressions. Oui, puis spécifique, constructif, ce qui est très difficile à faire dans la Ligue nationale, parce que à tous les jours, toi, c'est comme entraîneur, tu sais où est-ce qu'on avance. Tu sais qu'est-ce qui est bon. Tu sais que tu regardes, tu ne pourras pas être bon tout de suite, tu vas être bon dans un mois là-dedans. Mais en attendant, tu te le fais mettre sur le nez. Mm-hmm. Puis là, c'est ça qui est dur. C'est qu'un gars, comme mettons, à l'université, c'est bien plus facile comme entraîneur. Premièrement, tu as moins de matchs. Tu n'as pas les médias comme ça qui viennent te poser des questions. Puis c'est parce que ça écrase, ça. Ça ne motive pas, ça. Tu sais, nous autres, on pense, hey, on va y rentrer dedans, ça va être motivé. Il n'y a aucune motivation, là. C'est pas ça. Ce qui va te motiver, c'est de voir. Le fameux crinquage. Oui, le crinquage de garde. Que tu fais quoi après que tu aies crinqué ton gars au maximum, tu as créé ton plus fort, puis tu l'as fouetté ton plus fort? Il te reste quoi, là? Fait que si ta boîte à outils, là, c'est juste ça que t'as, là, de crier et de pousser, là, puis de... Ta boîte à outils n'est pas grosse. Tu ne feras pas une grosse maison avec ça. J'espère que ça a répondu. Il y a beaucoup de questions. Tu as voulu poser une question à Guy. Ça dure 5, 6, 7 minutes, la réponse. C'est comme pas ça. On poursuit la discussion avec Guy sur RDS.ca. Merci aux gens de Facebook d'avoir été là, mais on continue avec Guy. Puis il y a Jonathan Marchessault des Golden Knights qui s'en vient aussi en entrevue. Ouais. Merci aux gens de Facebook. Yes, sir. Vas-y, Alain, j'ai pris une note. Elias Pedersen, je pourrais être son père. Toi aussi, hein, quand tu as commencé, tu étais fin trentaine, mais là, plus ça va, plus tu peux être le père de ces gars-là. Parle plus. Guy quitte. J'en ai d'autres. Je pense qu'on ne l'a pas mentionné, mais Roman Josi a signé un contrat de 8 ans, 9 millions. On a fait le décompte. C'est le meilleur. C'est le plus haut salarié chez les défenseurs gauchers, le troisième au total dans la Ligue, à égalité avec Piqué Subban. Exact. Puis tantôt, tu parlais du trio de l'Avalanche qui ont perdu Rantanen. Bien, Landeskog aussi est blessé pour une période indéterminée. On a appris ça ce matin. Ouh. Je voulais juste le mentionner. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va essayer, voir s'il va rester muet. Roman Josi, tu en penses quoi? Écoute, phénoménal. On le voit pas assez. Je trouve qu'on le voit pas mal plus depuis que Piqué est parti. Cette année, il fly, puis il est deuxième étoile encore. Ouais, mais il a toujours flyé. Moi, j'y suivais parce que moi, je l'ai eu. J'ai eu aussi dans 3 camps à Berne. Écoute, c'est un individu exceptionnel. Écoute, il arrivait avant nos joueurs, puis il partait après nos joueurs. Il travaillait plus fort que tout le monde dans notre équipe. C'était même pas son camp d'entraînement, c'était son pré-camp un mois avant le camp national. Il manquait pas une journée. Écoute, c'est une personne
exemplaire en attitude, éthique de travail, discipline. Tu peux lui donner plus d'argent, ça va le valoir. C'est l'impact qu'un individu comme ça a, juste par sa personnalité, son leadership, tout ça, c'est gigantesque. Puis sur la glace, pour moi, je sais que ça a l'air fou de dire ça, mais c'est un des plus sous-estimés. Parce que on va parler des gars qui flashent plus, puis qui jouent dans l'Est, puis tout ça, mais il fait tout. Il fait tout. Il est exceptionnel dans toutes les phases de jeu. Là, frappe-moi pas. Oui, vas-y. Mais le dernier défenseur que j'ai vu aussi efficace, tout le monde savait que c'était le meilleur dans la ligue. Mais il n'était pas flashy, pas rien, mais remportait des Norris après Norris. C'est Lidstrom. Absolument. Puis, tu sais, honnêtement, Bourque est un peu comme ça aussi, là. Bon, Bourque. Bourque avait la flamboyance de lancer frappé, la grosse mise en échec. Oui, mais c'était pas un, ce qu'on appelle en anglais un dangler. Là. C'était pas de fausses informations avec beaucoup de jump. Puis ça, c'est un gars, en anglais on dit steady, c'est un gars qui reproduit. Moi, il y a une phrase que je pense qui est très importante. Puis moi, je le dis à mes enfants, surtout ma fille qui joue maintenant. Là. T'sais, on passe toujours pour être un joueur extraordinaire, il faut faire des choses extraordinaires. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de reproduire des choses simples ordinaire. À répétition, des choses ordinaires à répétition et avec une constance. Ça, c'est extrêmement rare. Ça, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu me suis là. Pour faire de l'extraordinaire, il faut que tu fasses les petites choses ordinaires avec constance. Exactement. Parce qu'il y a très peu de gars qui sont capables de faire ça. Fait que c'est pour ça qu'un Lidstrom, c'est dur à suivre. Là. C'est une horloge. Tu sais exactement ce que tu vas avoir aussi, à tous ça. Les matchs. Il aussi, c'est pas exactement ça. Tu sais, à tous les matchs, là. Écoute, tu sais, des gars qui ont moins de 5 mauvais matchs par année, là, c'est des miracles, ça. Je veux dire, c'est des gars comme ça. Tu es en train de dire que tu aimes ma comparaison. Oui, j'aime ta comparaison. Martin. Gaston, il ne m'aimera pas. Là. Écris-le Gaston, sur ta main. Gaston, il va trouver que... Guy, zéro. Okay. Ça... Moi, je me souviens de Lidstrom comme un... têteux, c'est ça? Tu fais têteux, c'est ça? Je fais têteux. Pas de quoi tu parles. Je me souviens de Lidstrom comme un gars qui se commettait jamais, faisait jamais d'erreur, puis ne donnait jamais de mise en échec, vous en souvenez? C'est sa réputation, parce qu'il était tout le temps bien placé. Ouais, c'est le cas de lui aussi. Il y avait son stick. Ouais. Même chose, lui aussi, c'est pareil. Ouais. C'est pas un gars qui venait des grosses mises en échec, mais c'est un gars, son écart, hein, son écart défensif est exceptionnel. Bourque, c'était la même chose. Lidstrom, c'est la même chose. Ce qu'ils font, ces gars-là coupent. C'est comme McDonald l'autre jour, Tampa contre le Canadien. Si tu regardes toutes ses présences, c'était phénoménal. Je sais que je suis peut-être le seul qui a vu ça, parce que c'est plate à regarder, là. L'écart défensif d'un défenseur, mais ça a un impact énorme, parce que l'attaquant, l'équipe qui attaque est toujours arrêtée dans son élan. Fait que là, il reste pris dans sa zone. Mm-hmm. Puis là, pourtant, t'as rien pas vu d'extraordinaire. Pas dans cette zone contrôlée, place la rondelle en arrière. C'est ça. Puis c'est là que c'est dur pour un jeune en défense, parce qu'un jeune a toujours peur, parce qu'il sait tellement vite. Fait que là, il recule plus vite, sa gap est moins bonne. Tient moins la ligne bleue, ouais, appuie moins exactement. L'attaque. Puis surprenamment, les fois que j'étais avec Hockey Canada, en Europe, sur une grande patinoire, avec les meilleurs joueurs au monde, les Duncan Keith à ce moment-là, puis ces gars-là, ils avaient tous des difficultés avec quoi? Le gap à cause de la patinoire. Ouais, à cause de la patinoire. Alors, leur premier réflexe, c'était pas d'aller fermer la gap. Le gap. J'ai trouvé, on va l'appeler le gap. Fermer le gap. Ils avaient tous tendance à se replier dans le milieu, puis se replier trop tôt. Mm-hmm. Ce qui fait que ça donnait beaucoup d'espace à l'adversaire. Rentrer en zone contrôlée. Oui. Parce que, honnêtement, c'est une des choses les plus difficiles pour un défenseur, même pour un attaquant. C'est ton écart défensif, comment tu amènes quelqu'un en angle, où tu mets ton bâton, quand est-ce que ton bâton change de place, quand est-ce que tu le lâches, tu le laisses à ton autre joueur. Mais ça, c'est comme je t'ai déjà dit, tu ne pratiques pas ça l'été. Là. Non. Puis, il n'y a pas grand joueur qui aime ça dans le junior, dans le midget 3, s'attarder à ça. Fait que c'est là que les entraîneurs ont de l'importance, parce que c'est ce qui fait la différence. T'sais, aujourd'hui, les joueurs, tu ne peux plus jouer un joueur offensif. Avant, ça fonctionnait, mais maintenant, tu ne peux plus faire ça. Faut que tu sois un joueur d'hockey. Un joueur d'hockey qui est bon dans les deux sens de la patinoire. Il y en a qui sont meilleurs, tu sais, 60% bon, 40%, sans être trop précis, mais tout le monde aspire, comme Drouin est en train de faire en ce moment, à devenir un bon joueur dans les deux sens de la patinoire. Tu n'as pas le choix, sinon tu ne te retrouves pas dans les meilleurs trios. OK. Prochaine question, puis vous autres aussi, allez-y là, sur les messageries, là, si vous avez des questions pour Guy. Là. Il y en a, mais il reste à peu près 5 minutes avec Guy. Okay. Il faut passer à Jonathan Marchessault après. Guy, c'est des réponses en rapid fire. Oui, vas-y. Claude Julien a parlé que Suzuki était chanceux d'avoir un Nate Thompson à côté de lui pour apprendre le métier, et Nick Suzuki en a parlé également. À quel point un Thompson peut aider Suzuki?
Absolument. Et c'est énorme. Moi, je l'ai adoré comme joueur. Aux deux places. Puis je le reprendrai encore. Puis c'était une personne exceptionnelle. Puis avec une éthique de travail hors pair qui a appris justement tous ces petits détails-là qu'un jeune ne sait pas encore ou il n'a pas comme habitude. Fait que c'est toute beauté, honnêtement. Parce que Claude disait qu'il arrive avant tout le monde à pratique. Fait que c'est un bel exemple pour. Des affaires, vous remarquez ça, l'heure du gars arrive? Ben oui. Hey, le gars ça fait 5 jours, il arrive à la dernière seconde. Ça dit quoi de son éthique de travail? Ça dit quoi de comment il veut s'améliorer? Puis comment il veut être un leader par rapport aux autres? Puis, tu sais, quand tu as des capitaines qui sont pas dans le gym, là, jamais, là, ben c'est ça. Tu te demandes après ça pourquoi tu gagnes pas? Pourquoi ta culture est pas forte? Puis tout ça, ben c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? J'ai de la difficulté avec être à l'heure, moi. Fait que... Ah, OK, OK. Pourtant, okay. Je veux, je travaille fort. Pourtant, je t'ai pas planté, là. Je suis tout le temps ici. Je t'adore ici, Guy. Mais, et Colin, j'arrive pas trop d'avance. Quelle image. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, venez voir ça en vidéo, c'est fabuleux. Martin qui mesure. Pas sûr que je t'aime à cette hauteur-là, moi, là. OK. J'ai des questions qui sont rentrées d'auditeurs. Puis évidemment, Guy, je ne te demanderai pas d'analyser le travail des deux gardiens de but parce que c'est dans. Non, surtout pas ça. Tu vas voir, mais tu vas comprendre la question. C'est Eric qui pose ça parce que tu as déjà coaché dans la Ligue américaine. Mm-hmm. Puis il y a une situation actuellement avec le Rocket de Laval qui est Primo Lindgren. Puis le jeune Primo, après 10 matchs, prend la pole plus que le vétéran devrait la prendre. Sans parler de ces deux gardiens de but-là, un parce que tu ne les connais pas, tu ne les as pas vus jouer. Comment tu gères cette situation-là dans la Ligue américaine? Est-ce que c'est. On a eu Joël Bouchard en entrevue il y a quelques semaines, puis il disait souvent le calendrier de la Ligue américaine dicte un peu la présence de ton gardien ou non devant le filet. Dans une situation comme ça. Il disait vivre que tellement de. Tu sais, des fois, c'est 3 en 3. C'est 3 en 3, fait qu'à un moment donné, il faut que tu fasses. C'est ce que je m'en allais dire. C'est que dans la ligne américaine, c'est une réalité complètement différente. C'est ça. Fait que, première des choses, c'est une ligne de développement. Fait que, t'es comme entraîneur, ton mandat numéro 1, c'est pas de gagner des matchs, c'est une ligne de développement. Oui, gagner des matchs, ça aide ton groupe à s'améliorer, à avoir une bonne ambiance. Tout ça, parce que quand tu perds toujours, c'est sûr que c'est ça devient lourd, ça devient difficile pour les joueurs de s'améliorer parce que ton ingrédient numéro 1, c'est l'enthousiasme. Pour pouvoir t'améliorer et avoir du succès dans la vie. Mais dans une situation comme ça, moi, je pense que premièrement, c'est un nouveau, c'est un jeune, tu veux le voir. Fait que ils savent déjà ce que l'autre donne. Puis aussi, tu sais où ce qui est rendu un joueur dans son développement à un moment donné. Tu sais, quand ça fait 3 ans, je ne sais pas lui, je ne parle pas de lui. Là. Non. Mais tu sais, mettons le vétéran n'a pas progressé depuis 3 ans, bien là. Tu sais où ce qu'il y en est. Fait que dans ton échiquier, ben il est peut-être rendu 4e, tu sais, mais tu sais pas tant que l'autre n'a pas eu du temps de glace. Mm-hmm. Et puis, le contexte de la ligne américaine, comme tu l'as dit, il faut que tu regardes aussi les matchs. Faut pas juste regarder le nombre de matchs que joué parce que premièrement, il était peut-être malade, il était peut-être blessé. Mm-hmm. Puis là, tu as un 3-3. Puis là, tu as fait jouer la première game, tu étais supposé leur faire jouer la troisième game. Finalement, il y a la grippe. Fait que là, le gars qui a joué à la deuxième game, d'où joue à la troisième game. Fait que c'est sur un échantillon de 10 matchs, c'est passé. C'est OK, on y va vraiment à Rapid Fire. Joe aussi, qui a signé un nouveau contrat de 9 millions par année, c'est-tu lui qui paye la pide? Ça paraît-tu quand un gars signe un gros contrat, il se passe-tu quelque chose? Habituellement, les gars, ils écrivent quelque chose sur le tableau, là, ils payent le lunch ou c'est eux qui mettent. Ben, 9 millions par année. J'ai pas le droit de dire qu'ils mettent de l'argent sur le board. Là, mais... Non, c'est ça. Il y a juste David Perron qui peut-être. Ah, OK. Tu sais, contre Canadien, il met encore de l'argent. Ah. Mais t'as-tu de l'argent, toi, contre Canadien? Moi, j'ai pas le droit. Les coachs n'ont pas le droit. Arrête. Turner, je te dis. Voyage dans l'Ouest. Ça me faisait bien de la peine. Moi, sûrement. Voyage dans l'Ouest, les gars sont là 3-4. N'empêche que Nick Suzuki a dit qu'il avait amené des shorts. Ben. C'est le fun, un voyage dans l'Ouest. Le coach, il dit ah non, les gars, on va faire autre chose que de penser au hockey. Comment que c'est, les voyages dans l'Ouest? Non, contraire. Surtout au début de l'année, parce que ce qui arrive, là, tu penses, c'est le début de l'année, tout le monde sont fresh. OK, oui, mentalement, t'es fresh, mais t'as passé à travers le camp d'entraînement, qui est évidemment un choc. Parce que de ce que tu as vécu cet été, peu importe l'entraînement que tu as eu, quand ça commence, là, les vrais entraînements, puis tout ça, puis les matchs, là, c'est un choc sur le corps. Puis après ça, quand la saison commence pour vrai, puis là, c'est quand est-ce que tu as un break, tu n'en as pas vraiment. Mm-hmm. Fait que quand tu as la chance d'avoir, tu sais, ils s'en vont pas sur la biche là, pendant 3 jours de temps, là, c'est pas ça qu'ils vont faire. Là, mais tu sais, si après la pratique, mettons, le mardi matin. Aujourd'hui, c'est une journée d'avance. Justement. Donc, normalement, mardi matin, tu as ton entraînement, tu en donnes une bonne, puis l'après-midi, si on joue au golf, ils s'en vont sur le bord de la piscine et tout ça. Parce que tu peux pas demander à un joueur de performer si dans sa vie, il n'est jamais balancé non plus. Il n'y a pas de fun. C'est pas de fun. Tu l'envoies pas à la chambre d'hôtel. Non, mais toi, tu as ce job-là, puis tu faisais rien que ça, puis tu partais chez vous, puis il n'y a jamais là-dedans que tu vas à ton chalet, puis il n'y a jamais là-dedans. Ben moi, Luc le sait, le jeudi, je me garde du temps avec un chum ou avec toi ou avec pour faire
Ouais, quand j'étais avec toi, on fait encore du hockey, là, mais pour faire autre chose que de parler d'hockey. C'est vrai, ça prend une histoire quelque part. T'as pas le choix. Un équilibre. T'as pas le choix. C'est là que tu deviens partisan d'un autre sport. Tu regardes le football, puis là, tu n'es pas en train de travailler. Là, tu mais moi, je ne renie pas le fait que. Tu sais, je comprends, là, toi, t'as coaché, etc. De toute façon, on l'a déjà dit, t'es un nordique. Mais tu sais, les gens là, qui disent ah non, mais moi, je suis journaliste, je n'ai pas de parti pris. OK. Ah, c'est fou, ça. Je regarde des matchs de hockey pas mal plus que juste le Canadien de Montréal, là, mais je suis encore content quand le Canadien l'emporte, puis qu'ils font une série, puis que la ville est en feu, puis que je vois les gens qui aiment leur équipe. C'est sûr que je me lève plus quand ils marquent un but. Mais je suis toujours aussi content, puis je ne m'en cacherai jamais. Chez vous, tu peux te lever, là, je veux dire. Non, mais là, pas, mais tu sais, puis je suis rendu que je regarde le hockey comme je regarde le foot. Tu donnais le foot comme exemple. Ouais. Les matchs que je choisis au football, je choisis des match-ups. Je n'ai pas une équipe que je suis. Mm-hmm. Au hockey, même affaire. Je regarde le calendrier du soir. Si le Canadien n'est pas un, parce que c'est de ça qu'on parle le lendemain, je cherche un match-up qui m'intéresse. Je ne vais pas poigner les Sens. Les Sens, je ne regarderai presque pas cette année, parce que les Sens contre les Oilers... Tu vas chercher un match-up qui est plus le fun. Tu me regardes-tu vraiment et tu attends que j'aille une réaction? Non, mais je vais juste dire. J'ai dit Sens parce que c'est eux autres qui me sont venus à la tête. T'sais, je ne regarderai pas Détroit cette année ou presque pas. Tu comprends-tu? Je ne vais pas regarder les équipes qui en arrachent. Je vais regarder les match-ups qui sont le fun. T'sais, je ne regarde pas les Giants de New York au football. Je ne regarde pas les Bengals parce qu'ils sont 0-8. Tu comprends-tu? Je regarde des match-ups. C'est juste ça que je dis en vieillissant avec le sport. C'est comme ça. Tu vas regarder la série mondiale? Absolument, j'ai pas manqué un match. Ouais, d'ailleurs, match RDS ce soir, c'est le sixième. Ouais, les gars font un bon job, les gars sont sur place en plus. Fait que tu sais, ceux qui critiquent des fois que le réseau des studios sont sur place cette année puis ils font une Christy job, Alain et Marc. Ils sont sur place depuis plusieurs années d'ailleurs. NFL, même chose pour le Super Bowl. Exactement. Pour la finale, ouais. Je peux poser une dernière question avant de passer à l'entrevue. Guy Baudry, qui nous a visiblement écouté la semaine dernière quand tu étais chez toi. Tu te poses la question, c'est qui finalement qui t'a envoyé le fax? Est-ce que c'est Dallas? Quel fax? Tu ne viens pas la semaine passée? Il y a un fax qui sonnait chez Guy. Tu ne viens pas de ça? Ben faut que tu remettes les gens en contexte. Si moi, j'étais assis à côté de toi, je m'en souviens pas. Ben, je ne l'ai pas permis en contexte. J'ai dit pour ceux qui étaient là l'année passée. Moi, je m'en souviens. Parce que après, j'ai passé mon temps à essayer de trouver le fil. C'est en arrière du bureau. Je l'ai tout arraché. Là, parce que, OK, mais c'est le contrat là, j'ai tout déplugué, là. C'est la question. Le contrat cette année, c'est un contrat à ma famille. Bravo, c'est excellent. Comme c'est ça. Une de mes dernières chances là, avec tout le monde soit parti. De rester avec eux autres. Bravo. Coacher c'est ma merveilleux. Fille, puis... OK. C'est tout? Ben ouais, il faut passer l'entrevue. Tu y vas-tu? Tu lances tout ça? Ben, c'était le fun, par exemple. Puis merci de vos réactions. Vous avez... Tu reviens-tu cette semaine? Oui, demain. Ouais, demain, il va être là demain. Demain? Oui. Ici? J'suis ici même. Wow. C'est fun. On se trouve des sujets. Ben certain. Parce qu'il n'y a pas de match ce soir. Là. Ah, ouais, il y en a ça. Il va, écoute. Non, je ne suis même pas inquiète. Bon. Parler du baseball. On aurait pu parler de Mike Babcock aujourd'hui. T'as-tu vu quand le monde a dit « Hey, Mike, pas inquiète un peu. » Ouais, la salade César, là, écoute, ça fait que je me brosse les dents deux fois parce qu'elle était vraiment forte, le dressing. J'ai pas entendu, non. On parlera du bruit à l'extérieur du vestiaire et le bruit à l'intérieur, voir si c'est le même bruit. Tu vois, c'est un des sujets qu'on peut avoir. Je peux te dire tout de suite que c'est pas le même bruit. Ouais, je sais. Ça, c'est votre bruit pour avoir du fun. On a du fun, non? Oui, ouais, ben justement. C'est pas ce genre de fun-là que t'as dans le vestiaire ou bien dans le bureau des coachs. OK. Un peu plus tôt, je me suis entretenu avec Jonathan Marchessault. Vous le savez, vous ne faites pas de cachette parce que vous allez entendre mon char sonner tout le long. Il y a une porte qui est défaite, sa marque est ouverte, mais pas ouverte. Fait que ça fait ding-ding pendant toute l'entrevue. Fait que je ne ferai pas à croire que c'est live. On a parlé avec Jonathan Marchessault et ça a été vraiment une entrevue plus qu'intéressante. Jonathan, salut! Comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, ça va bien, merci. Comment se passe le début de saison de l'équipe? Ça se passe pas pire. Beaucoup de hauts et de bas quand même pour un début de saison. Là. On a joué des bons matchs. On a joué une coupe de matchs qui était vraiment moins bon. Fait que notre constance n'est pas la meilleure, mais on est conscient de ça. Puis hier, on a bien joué. Fait que on devra continuer sur cette lancée-là. Là. Écoute, je vais en profiter, tu as dit le mot magique, tout le monde parle de constance. C'est-tu rendu la nouvelle affaire dans la Ligue nationale de hockey? La parité est tellement haute que si t'es pas constant, t'es fait. Ouais, c'est ben je veux pas, je pense qu'en tant que joueur de hockey, c'est une des choses que tu dois devoir constant toute ta vie. Avoir de la constance à chaque match, c'est quand même difficile dans cette ligue-là. C'est une ligue qui est très difficile. C'est difficile en tant qu'équipe aussi, puis c'est parce que toute bonne équipe trouve une manière de se commencer à s'asseoir puis de trouver une manière de gagner.
comment ça se passe de ton côté, personnellement, ton début de saison? Quand même, mollo. J'ai un début de saison un petit peu lent quand même. J'ai seulement 2 buts en 13 matchs, ce qui n'est pas vraiment adéquat. C'est pas une question de chance qui manque ou de pas travailler. C'est une question d'être opportuniste un petit peu, puis je suis pas en ce moment. Fait que c'est sûr que c'est plate, puis il veut pas quand ton équipe perd une coupe de match à cause que tu n'as pas t'as des chances en or de scorer, puis tu trouves pas le fond du filet, c'est quand même difficile de trouver du positif de tout ça. Fait que non, c'est quelque chose que, comme on disait, la constance est assez difficile à trouver. Puis il faut que je sois capable d'être plus opportuniste dans les gros moments là. Écoute, c'est drôle parce que, tu sais, la magie a tellement opéré la première année, puis t'es encore avec les mêmes bonhommes, tu sais, William Carlson, etc. Je suis convaincu en plus que le travail est là. C'est quoi qui manque? C'est le hit factor, c'est le mojo, qu'est-ce qui manque pour que la magie soit là comme la première année des Knights? Un petit peu plus de swag, un peu, je pense, ça va nous aider. On avait quelque chose en nous autres on avait une bonne chance de gagner à chaque soir. Je pense qu'on l'a encore un petit peu, mais c'est juste que c'est notre inconstance qui nous fait mal un petit peu plus. Mais je pense que, sincèrement, on joue du bon hockey quand même. C'est vraiment d'être opportuniste de jouer 60 minutes. Là. Comment ça se passe au building? Est-ce que l'effervescence est encore la même qu'au début? Eux autres, nos fans, ils la trouvent, la constance. Je te dirais qu'à chaque fois, ils sont là, ils sont bruyants. C'est une atmosphère incroyable au T-Mobile, puis ils nous donnent l'énergie qu'on a besoin. Puis non, sincèrement, ils rendent vraiment notre vie vraiment facile. Puis les fans sont le fun, sont pas trop demandants. Ils sont là pour nous autres dans les bons puis les moins bons moments. Fait que non, c'est vraiment, on est chanceux. Là, je te passerai pas l'équipe au complet des Knights de Vegas, mais tu vas comprendre qu'il y a une couple de gars dans l'équipe qui intéresse les fans à Montréal, en commençant par Max Pacioretty. Tu sais, quand un gars se fait échanger ou quand tu arrives pour la première fois quelque part, souvent c'est un petit peu long à s'ajuster. Là, il a connu un gros camp d'entraînement. Comment que ça se passe pour lui? Tu te sens-tu intégré et pièce importante de l'équipe? Ah oui, ouais, vraiment. Patch, c'est une grosse pièce. C'est un gars qui fait partie de notre top 6. Il a un bon début de saison aussi, je ne veux pas, mais c'est on est pas mal les deux seuls à l'avant. On sait qu'on a de la misère à trouver le fond du filet en ce moment. Les deux, on a seulement 2 buts en 13 matchs. Puis je pense que les gars comme nous autres, on trouve le fond du filet un petit peu plus facilement. Mais sincèrement, on a vraiment beaucoup de chance. Puis c'est une question de temps, tu sais. Des gars comme Patch qui ont scoré toute leur vie, c'est une question de temps avant qu'ils trouvent le fond du filet. Puis ils jouent du gros hockey en ce moment. Ils ont une très belle ligne, lui, Stone, puis Stachny. C'est une très belle ligne. Fait que non, je suis aucunement inquiet. Puis on est vraiment content de l'avoir de notre bord. Ouais, je trouve que ça vous fait deux lignes. Là. T'sais, deux one-two punch. Il y en a une qui ne marche pas un soir, l'autre peut produire. Fait que ouais, exact. C'est sûr. C'est sûr que je veux te parler de l'autre allié de cette ligne-là, tu sais, le monde de Gatineau qui nous écoute, là, Mark Stone. Parle-moi ça, après ça, je veux te demander quelque chose sur lui. Vas-y. Mark Stone, c'est vraiment le joueur le plus intelligent que j'ai vu sur une plateforme qui c'est assez rare, mais je pense que c'est une des plus belles qualités qu'un joueur peut avoir dans le national. C'est rendre tout le monde autour de lui sans glace meilleur. Puis ça, il le prouve à chaque fois. À chaque fois, il rentre comme si c'était notre meilleur joueur, puis il ressort comme si c'était notre meilleur joueur. Il se présente à chaque fois, il est constant, il est excellent, il fait toutes les bonnes petites choses au bon moment. Puis c'est un world-class player, tu sais, c'est un des meilleurs dans la ligue, puis c'est pas pour rien, puis on l'a de notre base, puis on est chanceux. Écoute, je vais te dire quelque chose, parce que, tu sais, nous, on l'a vu, tu sais, RDS, on jouait, je pense qu'on fait 65 games des Sénateurs. Puis, c'est pas le plus grand patineur, mais il soutient toujours la rondelle. Il est tout le temps, tu sais, le premier replié, etc. Puis, je me dis tout le temps, à un moment donné, la ligue qui accélère à chaque année va finir par être trop vite pour Mark Stone. Puis, encore cette année, gros début de saison, puis on dirait que c'est pas encore trop vite pour lui.
Non, non, non. Mark Stone, si tu l'as vu dans une pratique, tu vas dire, ouais, OK, je sais pas. Si tu le regardes dans une game, là, que la ligue soit la plus vite, que ça soit le plus lent, peu importe, ça change rien, il va s'adapter puis il va réussir. C'est sûr à 100%. C'est un gars qui outsmart le monde sur la glace, puis c'est impressionnant pour moi. C'est cher. Tu peux-tu apprendre de ça, Jonathan, ou tu l'as ou tu l'as pas? Moi, je pense que tu peux apprendre un petit peu. C'est quelque chose que tu apprends un petit peu plus en vieillissant. Lui, il a quoi, 27 ans, puis là, tu sais, c'est puis il l'a eu avant, puis tu sais, je pense que c'est un gars qui analyse bien la game, puis non, moi, de regarder un gars de même, là, ça m'inspire de le devenir aussi, tu sais, ça m'inspire d'essayer d'être plus intelligent sur la glace. Puis, tu sais, la game, tu peux jamais avoir assez de knowledge dans le game de hockey. Fait que lui, c'est un passionné de hockey. Puis c'est le fun de le regarder à chaque jour. Là. C'est clair. RDS, Bruno Gervais, puis Max Talbot ont un nouveau podcast. Max et Bruno, puis ils ont eu Marc-André comme premier invité sur le show. Puis c'est des joueurs de hockey qui font une entrevue à un chum joueur de hockey. Ça laisse tomber pas mal toutes les barrières. Puis quel gars attachant Marc-André Fleury. J'ai l'impression qu'il n'arrêtera pas de jouer au hockey à 40. Non, non, non. C'est un autre passionné. Puis tu sais, quand tu pars avec ton vétéran, ton meilleur joueur, ton joueur de concession, on ne veut pas, puis c'est lui qui travaille le plus fort dans les pratiques, ça pousse à ce que tout le monde le suive. Puis c'est comme ça que c'est lui qui travaille le plus fort, puis tout le monde le respecte. Puis il se présente à chaque soir. Fait que c'est quoi tu veux plus de ton gardien partant que ce soit le leader off and on the ice? C'est impressionnant de voir qu'après même 14-15 ans dans la Ligue nationale, il réussit à faire ça encore. C'est clair. En tout cas, moi, je veux juste t'informer qu'on a David Perron sur le show une fois semaine. On vient de faire deux finales de la Coupe Stanley avec lui parce que quand il était avec vous autres à Vegas, il faisait une fois semaine avec nous autres sur le show. Fait qu'on a deux finales de la Coupe, une Coupe Stanley. Puis là, cette semaine, j'ai dit de se coucher de bonheur, puis en onde, puis il nous a planté 4 points hier. Fait que j'étais 18, là. Quand on raccroche, c'est reparti pour la saison. Parfait. Je suis dû en plus, ça tombe bien. Ouais. Ben là, ça fait ça encore quelque chose? T'es un Canadien, ça a peint cette semaine. Ça fait ça encore quelque chose pour toi, Québécois, d'affronter les Canadiens de temps en temps? Ouais, c'est le fun. Ben, c'est juste un petit peu plus de mettre un chèque à la fin de ta game. En fait, ça, c'est sûr que c'est plaisant de jouer contre le Canadien. L'équipe que j'ai regardé quand je suis sorti. Fait que, ouais, c'est le fun. Puis, ils ont une belle équipe et ils travaillent fort. Fait que, ça va être un bon match pour nous autres encore. C'est qui vos, tu sais, la ligue est tellement serrée, mais c'est qui vos rivaux cette année? C'est qui vont vous donner du fil d'artable pour le titre dans le gym? Je pense que Colorado nous ont donné une belle petite leçon. Il était vraiment bon. Colorado, San Jose, ça va être bon encore. C'est sûr, Nashville va être bon encore. Tu sais, l'Ouest est fort quand même. Il y a vraiment toutes les équipes peuvent vraiment aspirer aux séries. Là, c'est encore de bonheur à dire, mais je pense que ça va être difficile encore de notre côté. Mais on est confiant en tant que groupe. Ben écoute, c'est toujours le fun de regarder les parties des Knights, non seulement pour l'équipe, mais pour le show qu'il y a tout autour de vous autres. Je te dis, quand tu vas marquer ton premier but après notre entrevue, tu vas dire le tabarouette, mais la vie. Ouais, alors je suis dû, puis je vais m'en rappeler quand j'ai écouté notre entrevue, je vais taper tout de suite. C'est bon, Jonathan. Gros merci, puis on se parle bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, bye bye. Bye bye, Jonathan Marchessault. J'aime ça, Guy, puis. C'est le fun, tu vas rester. J'arrête après, OK? On s'en va, je sais qu'il faut que vous finissiez le podcast. Hein. Mais quand j'y demande, ils disent on travaille fort, mais tu sais, on est en manque de constance sur les résultats. Puis là, j'y demande qu'est-ce qui vous manque que vous retrouviez, tu sais, qu'est-ce qu'il y avait la première année. Ils disent ça nous prend notre mojo, ça nous prend. Il y a comme une attitude à avoir. C'est intangible, c'est ça. C'est la chimie. C'est les trois mêmes gars, là. C'est les relations entre les individus qui font ta chimie, puis ta chimie fait en sorte que tu as ton succès, puis ton leadership là-dedans. Fait que c'est tes relations d'individus, ta chimie, ton leadership, ton succès. Quand il parle de Mark Stone, tu sais, j'ai dit, à un moment donné, Mark Stone, tu sais, on n'aurait pas dit qu'il est passé vite, puis que la Ligue allait accélérer tous les années. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, la Ligue va être passée par-dessus Stone, puis il dit, il est tellement intelligent. Ouais.
J'ai dit ça, tu peux-tu apprendre de ça ou tu l'as ou tu l'as pas? Il dit non, il dit j'apprends à le voir aller dans les pratiques, j'apprends à le voir aller dans les... Ouais, il est extrêmement intelligent et il est quand même 6 pieds 4, quasiment 6 pieds 5. Là. Ouais. Son bâton, écoute, ça n'a aucun bon sens, la longueur de ça, c'est fou. Puis en plus, comment on appelle ça? La maillotche, écoute, c'est jamais vu ça. Pour un attaquant, il va te le montrer, je l'ai chez nous, son bâton, c'est énorme. C'est énorme. Mais c'est parce que c'est un des meilleurs tous les ans pour enlever la rondelle à l'adversaire. Puis à bout de bras, mais il serait. Ben justement, c'est ça l'affaire, c'est que lui a compensé. Martin Saint-Louis a fait pareil. Hein. Martin Saint-Louis avait un très grand bâton. Il était petit. C'est un joueur de talent, mais il avait un très grand bâton pour l'aider à compenser pour son manque de grandeur. Lui, c'est pour l'aider à compenser pour son manque de vitesse. Fait que ce qui fait que le gars qui est plus rapide, ben il est 2-3 pas en avance. Ben lui, il se rend là parce que à cause de sa grandeur puis à cause de son reach. Ouais. OK. Ben, je veux pas lancer le débat là, en fin d'émission de même, là, mais on a parlé d'Armia, ça fait 3 jours. Là. Ouais. Mark Stone puis Armia. Qu'est-ce que tu veux dire? En termes de vitesse, c'est deux mondes différents de joueurs. Même grandeur, tu sais, ouais, récupère des rondelles parce qu'il y a un long bâton. Armia ne sera jamais Stone. Non, c'est pas la même chose. Armia, c'est un grinder de luxe, puis Stone, c'est un joueur de talent. C'est un attaquant de luxe. Un joueur de talent. power forward. Ah, même pas power forward. Ah, même pas. Okay. Non, c'est pas ça. C'est un joueur offensif brillant qui joue bien défensivement. Qui est toujours aux bonnes places. C'est pas la même chose. Aïe. Gros merci. Il m'a fait rire. Je peux le dire, ce que tu m'as dit? Il dit Armia n'a pas une grosse maillotche. Ça marche pas. Oh, ça sonne pas bien, les gars. Je pense qu'on. Tu viens de répondre à ta question, là, Luc. On est en train de caler. Là. Tu viens de répondre à ta question. Merci à tous ceux qui ont parlé de mon char comme étant celui de Bob Gratton. Oui. Il y en a beaucoup. Un gros merci à vous, auditeurs, qui nous sélectionnez. Je le dis souvent, c'est pas de la télé, c'est pas de la radio. Vous faites l'effort, vous faites l'exercice d'aller faire cliquer sur 2 liens pour nous écouter chaque jour. Moi et Luc et toute l'équipe, on vous remerciera jamais assez. Merci à Tim à la mise en onde. Merci également à Tim, un autre Tim aux médias sociaux. Luc Dansereau, merci beaucoup. Merci les gars. Merci mes yeux. Guy, un gros merci. Puis on se rejase demain pour une autre édition de On Jase. Guy va être avec nous.